plus cette chanson que Mon Coeur Lache. C'est une chanson sur la difficulté de s'aimer lorsque plane une terrible maladie sur nous tous. Vous savez de quoi je veux parler. Mylène Farmer. Qui va me rejoindre. En ce début d'année, on peut encore faire les bilans de l'année passée. Je vous présente Alain Prost, Mylène Farmer. Bonsoir. Mylène qui était avec cet album de Diamant, une des grandes triomphatrices de l'année. Je voudrais revenir sur la chanson. Le clip n'a pas été fait par votre cinéaste habituel, mais par Luc Besson. Oui. Ça a été difficile pour vous d'abandonner votre complice habituel pour vous confier à un autre metteur en scène, même si vous l'aimez bien, vous le connaissiez ? Un petit peu difficile, mais je connais bien Luc Besson. Oui. Nous nous sommes rencontrés, il nous a invités oui, en Arctique, pour un très beau voyage. Ouais. Donc nous le connaissions bien.
Et puis c'est un très bon metteur en scène, donc c'était à la fois difficile et facile. Mais c'était un changement, hein, c'est un changement d'atmosphère par rapport à vos derniers clips. Oui, c'est vrai que nous avons des univers assez différents, et Luc, je crois, a su nous apporter une légèreté et peut-être une dédramatisation par rapport au thème de la chanson. C'est une de vos dernières apparitions à la télévision comme interprète, comme chanteuse, puisque vous partez en Tchécoslovaquie pour tourner pendant plusieurs mois votre premier long métrage. Oui. Vous allez revenir à la chanson plus tard, vous savez pas? Bien évidemment. Bien oui, évidemment. Bien sûr. Vous voulez poser une question à Alain Prost? Écoutez, oui, je vais essayer. C'est un univers que vous ne connaissez pas, mais qui vous fascine quand même. Que je connais très peu, mais j'avoue que je suis capable de regarder des grands prix, absolument. Je sais que M. Prost et tous les coureurs automobiles côtoient la mort, et j'aurais voulu savoir que représente-t-elle. Que représente ce flirt permanent avec la mort? Bien, en réalité, c'est la grande difficulté, on en parle très très peu. Mais malgré tout, sans être macabre, de temps en temps, vous laissez vos affaires dans la chambre et vous dites, tiens, ce soir, on ne sait jamais, je ne vais peut-être pas les retrouver. Ouais. Et vous y pensez. Et puis cette année, eh bien entendu, j'avais pas de stress. Je me levais le matin sans aucun problème. Donc c'est ça. On vit avec, mais malgré tout, la passion est quand même plus forte que tout le reste. Vous avez deux enfants, Alain, non. Sacha, il a quel âge votre fils? 2 ans et demi et le plus vieux, 11 ans et demi. 11 ans. Celui qui a 11 ans et demi va maintenant... est en âge de comprendre ce que c'est que le danger. Ah oui, complètement. Il a peur devant le poste? Non, il n'a jamais regardé une course en direct déjà. Jamais. Jamais le droit, puis tant que je courrai, il n'aura pas le droit de regarder une course en direct. Mylène, je vous remercie infiniment. Bonne chance pour ce film. Puisqu'on Merci. Parlait de Luc Besson, il y a une collection formidable que crée Luc Besson chez Pierre Bordaz. C'est l'histoire des films. C'est-à-dire l'histoire d'eux. Ça, c'est l'histoire de Nikita. Il y a eu le dernier combat. Il y aura l'histoire du Grand Bleu et de Subway. Pour la première fois, un metteur en scène explique à ceux qui aiment le cinéma. Tout, de l'écriture, des balbutiements du scénario jusqu'à la sortie. Toutes les étapes d'un film, toutes les angoisses, avec le témoignage des comédiens, c'est la première fois qu'un metteur en scène explique ce que c'est que son travail. Vous l'avez eu? Non. Eh bien, je vous l'offre. Merci beaucoup. Et puis, je veux offrir à Alain, de Luc Besson, Le Dernier Combat, qui a été un de ses grands premiers films, qui a été récompensé à Avant-Yaz. Voilà. Et puis, je vous offrirai également à L'Ombre des Stars, Yvan Schiffre, 30 ans d'action dans le cinéma. Yvan Schiffre est un grand cascadeur, vous connaissez de réputation. Là aussi, les cascadeurs vivent une vie de danger qui est très proche de la vie des pilotes de F1. Voilà, à L'Ombre des Stars. Merci, Mylène. Je vous demande d'applaudir Merci encore Mylène Farmer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Alain, maintenant, Olivier Grouillard et Éric Bernard, deux pilotes français que nous aimons beaucoup, ils sont là avec leurs épouses, des images